Je peux entendre et ressentir vos peurs. Je vais juste vous inviter à faire l'exercice de trouver en vous cette intention, cet élan irrépressible pour retrouver votre liberté, pour vivre dans la vérité de qui vous êtes, plutôt que à travers un personnage fictif qui a été construit par nécessité, mais qui est beaucoup trop petit pour vous. Et qui surtout porte le mensonge, un mensonge énorme à propos de qui vous êtes. Vous êtes en droit, voire même, je vous invite à exiger la vérité et rien d'autre. Rien d'autre que la vérité la plus pure que vous puissiez supporter. Cette vérité, elle vous éclaire et elle vous embrasse. Elle porte le flambeau de l'amour et de la lumière. Et quand nous sommes particulièrement reliés ensemble, à cette pulsion originelle de liberté et de vérité, les peurs n'ont plus beaucoup d'importance. Elles ne font pas le poids. Le mental n'arrive pas à générer de peurs suffisamment puissante, vous portant dans l'illusion, à côté de cette force de vie qui veut naître à travers vous. Juste ensemble, naissance à soi. Pour que chacun puisse prendre son envol. Qu'il en soit ainsi.